Vainqueur de Caen au Moustoir lors de la dernière journée, Lorient a profité du nul de Lens à Guingamp pour reprendre le fauteuil de leader de Domino's Ligue 2. Les Merlus sont de nouveau à domicile pour affronter une formation nancéenne qui est 7e, son meilleur classement depuis le début de la saison. La SNL est très difficile à manœuvrer puisqu'elle n'a perdu qu'à 2 reprises en championnat. Personne n'a fait moins. En revanche, la formation de Jean-Louis Garcia cumule 12 matchs nuls, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'être toujours dans la course pour disputer les playoffs. La première situation, elle est justement pour les Lorrains avec Bassi qui croise trop sa tentative. Derrière, les Lorientais vont partir à l'assaut du but de Valette avec cet arrêt incroyable du portier nancéen devant Sylvain Marveau. L'arrêt de Valette est exceptionnel, mais l'action suit son cours et Marveau va de nouveau se présenter devant le gardien de la SNL et le tromper avec cette frappe au premier poteau. Cela fait 1-0 pour Lorient à la 29e minute de jeu. C'est la deuxième réalisation pour Sylvain Marveau. Défait en Coupe de France 1-0 ici même au Moustoir face au PSG. Et Lorientais désormais se concentre sur le championnat et leur objectif monté. Et pour l'instant, les hommes de Christophe Pélissier sont devant grâce à Sylvain Marveau. 1-0, c'est le score à la pause. Sur les 7 derniers matchs de Domino's Ligue 2, les Lorientais se sont imposés à 6 reprises pour une seule défaite. En l'heure de jeu, la sortie de Pierre-Yves Hamel et l'entrée de Dumout Bozok. Réaction des Nancéens sur coup de pied arrêté. Et de quelle manière, à un quart d'heure de la fin, Hervé Liboy, le défenseur central de 36 ans, inscrit son premier but avec Nancy. Lui, l'ancien Nîmois, gratifie d'une Zlatan, comme le Suédois avait pu le faire face à Bastia ou encore Marseille. En tout cas, c'est un but spectaculaire et important pour les Nancéens qui reviennent au score à un quart d'heure de la fin. Un bon résultat pour l'instant pour les Nancéens qui ont l'habitude de bien réussir à Picot avec 3 victoires consécutives. Mais c'est un petit peu plus compliqué à l'extérieur et cela va se confirmer malheureusement pour eux, car à la 92e minute, Umut Bozok va marquer son 2e but sous le maillot lorientais et, selon toute vraisemblance, offrir la victoire aux siens. Le Moustoir chavire. Christophe Pélissier n'y croyait plus sur ce bon travail de percussion d'Armand Lorienté. Eh bien, il arrive à trouver Umut Bozok esselé au cœur de la surface de réparation. La lucidité d'Umut Bozok, le contrôle pied droit, la finition du même pied dans le petit filet de Valette qui ne peut absolument rien faire. 2-1 au bout du temps additionnel. Lorient arrache la victoire et fait chuter Nancy pour la 3e fois de la saison. Les Merlus confortent leur place de leader et mettent la pression sur leurs poursuivants.